Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre du festival I Love Science et qui a pour thème la créativité et les sciences. Alors ça va être un moment d'échange, de partage, donc échange de réflexion, partage d'expérience. Et je voudrais aussi élargir le cadre parce que sur le programme du festival, cette table ronde était intitulée Atelier vidéo dans les classes de sciences. Et moi j'aimerais bien en fait ouvrir la démarche et réfléchir à la relation entre art, créativité et science. Pour ceux qui nous regardent en ligne, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Questions, réflexions, on y répondra durant la table ronde. Je suis Géraldine Jonkers, je suis réalisatrice et coordinatrice de projet pour Night Talks ASBL. Depuis quelques années, nous mettons en place des projets audiovisuels de médiation scientifique, notamment le projet Solax Film, petit portrait de femme scientifique dans lequel des élèves de deuxième secondaire rencontrent des femmes scientifiques pour faire une interview, filmer et parler aussi ensemble de la place des femmes dans les sciences. Et le projet Raconte-moi les maths dans une classe de mathématiques où les élèves racontent la petite histoire derrière les grandes découvertes mathématiques ou leur application actuelle à travers un film qu'ils réalisent, qu'ils écrivent et réalisent. Au cours de ces ateliers, en fait, je me suis rendu compte que, au premier contact avec les élèves, ils étaient assez perdus quand je leur demandais d'être créatifs et de se lâcher pour raconter des maths ou pour rencontrer une scientifique. Comme si, en fait, le cadre de leur cours, donc quatre scientifiques, logique, cartésien, ne leur permettait pas d'aller vers la créativité, de l'esthétique ou parler même de l'émotion. Et c'est pour ça en fait, que j'ai eu envie de faire cette table ronde pour réfléchir ensemble à ce lien. J'ai envie de dire aussi aux personnes qui nous regardent de ne pas hésiter d'aller sur le programme hybride de I Love Science. Il y a un lien vers nos vidéos Solax et Raconte-moi les maths, ils pourront les découvrir comme ça. Je vais vous présenter brièvement. En tout cas, merci d'être venu à la table ronde. Merci. Merci. Voilà. Catherine Muller, qui est professeure de sciences à l'Athénée Royal André Thomas de Forêt et qui accueille dans sa classe l'atelier Solax Film, portrait de femme scientifique. Raoul Sommeillet, qui est project manager ou development manager chez Home Academia. Et Anne Kiefer, qui est postdoctorante, qui est chercheuse à l'Université du Luxembourg et qui est la co-créatrice de l'atelier Raconte-moi les maths. C'est ça. Voilà. Catherine, je vais d'abord passer la parole. Je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'accueillir l'atelier Solax dans ta classe et qu'est-ce que tu ressors de cette expérience ? D'abord, je dois dire que mes élèves sont en première et deuxième secondaire, donc ils sont assez jeunes. Ils n'ont pas encore l'habitude de. Ils débarquent dans la grande école, hein, en secondaire. Et donc, ce qui m'a poussée à commencer les ateliers, c'est. En fait, je me suis aperçue que l'école, la façon dont on enseigne, un peu traditionnelle, les livres, voilà, même les ateliers, ça ne fonctionne pas très bien. Et j'avais envie de leur faire voir un petit côté un peu plus amusant, voir que les sciences, ça pouvait être amusant. Et puis, ça, c'était un côté. Un autre côté, c'était aussi, les filles n'ont pas tellement confiance en elles. Elles se disent, les sciences, ce n'est pas fait pour moi. Elles ont peur un petit peu de prendre une carrière, de faire des études scientifiques. Donc, c'était une façon aussi de leur faire voir. Faire voir que les sciences sont accessibles à tout le monde. Et aussi de rencontrer ce que je voulais aussi, c'est qu'elles rencontrent des scientifiques en vrai, qu'elles les voient en chair et en os, que c'est que ce sont des gens comme nous, et puis qu'il n'y a pas de mystère, quoi. Voilà. Ça, c'était mon but. Et alors, les retombées, peut-être, si je. Voilà. En fait. Chaque année, c'est différent. Ça fait 5 ans qu'on le fait, hein, je crois, 4 ans. Ça va être la 5e année cette année. Chaque année, c'est un public différent, donc il y a des élèves différents. On ne s'attend pas aux mêmes choses. Il y en a qui se lâchent, il y en a qui font les stars, hein, comme Sarah la première année, des élèves différents. Mais chaque année, il y a
On voit des élèves qui sont timides en classe, puis tout d'un coup, ils réalisent qu'ils sont capables de faire autre chose, alors ils changent d'attitude, ils sont plus participatifs, ils acquièrent la confiance en eux. Parce que je crois que dans le cadre du projet, justement, on leur fait voir que ce n'est pas une petite vidéo amateur qu'ils vont faire, c'est une vidéo professionnelle et avec du matériel professionnel. On leur confie, ils ont accès à des caméras, le son professionnel. Et ils voient qu'on leur fait confiance, donc ils se font confiance. Et c'est ça qui marche bien. Oui. Et parce que j'ai souvent des réflexions, ils demandent le prix, je sais pas si hein, ils demandent le prix des caméras, combien ça coûte, ils sont épatés. Cette année, j'ai montré les films à des élèves aussi. Il y en a une petite qui m'a dit, mais c'est de qualité, c'est une vidéo de qualité, donc elle était épatée. Oui, donc ils se rendent compte qu'ils sont capables, eux, de faire des choses de qualité, professionnelles, quand on leur donne un coup de pouce. Hein, c'est une, ils travaillent des professionnels. Donc voilà. Anne, écoute, tu peux aussi, voilà, toi tu as fait partie de la première année du projet SOLAC, tu étais Oui, une en des effet. femmes scientifiques intervieweuses. Et donc si tu peux un peu parler de ton expérience sur SOLAC et puis de raconte-moi les maths aussi. Oui, donc moi, oui, c'était la première année. J'étais en fait, à l'époque, j'étais chercheuse en mathématiques. On m'avait demandé pour participer à cet atelier. Et je ne savais pas grand-chose de cet atelier, en fait. On m'a juste dit, tu viens et les élèves vont t'interviewer. Je dois dire, j'étais positivement surprise parce qu'ils avaient fait des recherches au préalable sur moi, sur mes recherches, sur mes travaux. J'étais vraiment surprise tout ce qu'ils avaient trouvé, les questions qu'ils avaient trouvées, parce qu'ils avaient aussi eu une heure avant, ou je ne sais pas, déjà avant en classe, ils avaient travaillé les questions qu'ils voulaient me poser. Et ça aussi, c'était vraiment, moi, j'ai cru qu'ils vont me poser des questions un peu bidons. Oui, pourquoi vous aimez les maths, ou je ne sais pas, non, mais c'était vraiment des questions, c'était des questions pertinentes, et c'était une très chouette expérience. Et les films sont, comme Catherine dit, les films sont vraiment devenus. Les films sont très chouettes au final, et très pro, oui. Basé sur ça, moi j'avais envie de faire un autre projet avec Géraldine, parce que je trouvais aussi, comme Catherine dit, que ça marchait bien via le film, de motiver les élèves via cette activité de film, de faire quelque chose. Parce qu'au final, en faisant ces films de femmes de science, leur activité principale, c'était de créer un film. Mais au final, ils avaient, le groupe qui m'interviewait, ils avaient quand même passé une ou 2 heures à essayer de voir sur quoi je travaille, à essayer de comprendre un peu ce que c'est. Puis on a discuté pendant 3 heures. Ils ont discuté avec moi de maths au final. Donc pendant 3 heures, on était en train de discuter de maths. Donc c'est quand même un truc qu'on n'arrive pas à voir si facilement avec des jeunes de 13, 14 ans. Et donc je me suis dit que c'est vraiment un chouette concept. Et moi, depuis longtemps, j'organise beaucoup d'ateliers avec des jeunes, d'ateliers de maths, des activités chouettes de maths. Mais c'est un atelier de maths ou c'est une activité de mathématiques. Le concept est clair. Bonjour, je suis là, on va faire un truc chouette de maths aujourd'hui. Et je me suis dit que si on le fait via l'angle de film, ça va être un peu différent, ça va être un peu plus indirectement. Parce que même si c'est un atelier de maths, même si au final c'est chouette, souvent, les élèves, déjà au début, ils sont là, ouais, ok, c'est un truc de maths, j'aime pas les maths, ça va pas m'intéresser. Et là, c'est difficile de les. Si on commence comme ça à l'atelier, même ça peut être l'atelier le plus chouette du monde, si on commence très bas, c'est difficile d'arriver. Et là, on a créé le projet Raconte-moi les maths, où en fait, le but, c'est de réaliser des petites capsules de 5 minutes, c'est ça, hein? Ouais, c'est Ouais. entre 3 et 7 minutes. Sur un sujet de maths. Donc, chaque année, on fait ça maintenant pour la troisième fois. Chaque année, on prend un autre sujet de leur cours de maths, c'est en cinquième ou sixième. On prend un sujet qui est sur le programme de cinquième ou sixième, pour le cours de maths. Et on leur dit, voilà, dans ce sujet, vous allez prendre ce qui vous intéresse. Des applications de ce sujet-là dans le monde technologique d'aujourd'hui, l'histoire de ce sujet, un personnage connu qui a travaillé là-dessus, ce que vous voulez. Et vous réalisez une capsule de 5 minutes là-dessus. Et donc, normalement, on fait 6 ateliers. Dans les premiers ateliers, ils doivent faire des recherches pour trouver l'information qu'ils veulent mettre dans leur capsule. Puis on écrit un scénario et puis finalement on filme la capsule. Et ça marche en fait très bien parce que ça n'a pas ce label de c'est une activité de mathématiques, mais ça a plus ce label c'est une activité, on va faire un chouette film.
Mais au final, ils se penchent beaucoup plus sur les maths que dans une autre activité, parce que si c'est ton propre film que tu réalises, par exemple, si c'est un test, bah, mon but, c'est d'avoir 10 sur 20. Mon but, c'est d'avoir la moitié correcte, et ça va. Mais si c'est mon propre film, je ne veux pas que dans mon propre film, la moitié des choses que je raconte sont correctes et le reste soit faux. Donc là, on voit aussi que quand on écrit le scénario, surtout, on voit que tout à coup, quelqu'un du groupe dit « Non, mais attention, est-ce que ça, c'était vraiment correct ?» Ils revendent dans leurs documents, vérifier si tout est correct, ce qu'ils écrivent. Et au final, ils se penchent beaucoup plus dessus que dans une autre activité. Et oui, je trouve que ça marche très bien. Ça marche aussi, ça m'a fait... Il y a quelques semaines, j'ai lu une interview d'un mathématicien français, Michael Launay. Oui. Et ça m'a rappelé ce projet-là parce qu'il raconte qu'en été, il va sur les marchés de nuit en France. C'est un truc pendant les vacances d'été en France. Et avec un stand de mathématiques, avec des casse-têtes, des petits puzzles de maths, des trucs comme ça. Mais il annonce rien. Il n'a pas de titre à son stand. Et il dit que ça marche beaucoup mieux parce que s'il mettait, voilà, ceci c'est un stand de maths, les gens ne viendraient pas. Mais comme il ne met pas ça, ben, les gens viennent et il dit que souvent les gens lui disent après « Ah, mais si j'avais su que c'était un truc de maths, je ne serais jamais venu. » Ou des gens qui restent une heure, ils disent « Moi qui restais une heure à faire des maths. » Et donc ici, c'est un peu la même chose. Comme c'est un film, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus motivés à se lancer dedans. Et oui, les films qu'on produit, franchement, à chaque fois, je suis surprise de ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vraiment des chouettes capsules. Une fois qu'ils se permettent de se lâcher, ça va. Oui, ça aussi, ce que Géraldine a dit. Oui, ça, au début, c'est très... Au début, ils ne bougent pas. Ouais. Ils ont des problèmes, c'est pas ce que je crois, parce qu'ils ne sont pas habitués à faire ce genre de choses. Aussi, de faire des recherches eux-mêmes. Ce n'est pas un truc dont ils sont habitués. Ils sont devant les ordinateurs et ils ne savent pas quoi faire. On leur dit non, mais voilà, vous avez un sujet. Je ne sais pas, faites taper dans Google, essayez ce que vous trouvez. Et ils ont aussi peur de faire des fautes, alors qu'il n'y a pas vraiment... Dans une activité comme ça, il n'y a pas vraiment de faute. Oui, moi, je suis derrière pour dire, je crois que là, vous avez dévié un peu trop du sujet, mais ce n'est pas genre, attention, ça, c'est faux. Oui. Raoul, si tu peux un peu expliquer le projet Home. Oui, ouais. Avec plaisir. Moi, c'est Raoul, donc j'ai plutôt une formation d'ingénieur initialement. Puis après, j'ai fait une thèse en sciences de l'éducation. Et à côté de ça, j'ai toujours été, comme le reste de l'équipe Home d'ailleurs, passionné aussi bien par les arts, en particulier la musique, et les sciences. Et je pense que c'était vers 2017, quelque chose comme ça. On est toute une équipe de copains avec des backgrounds un peu différents à essayer de lancer un peu des activités qui tentaient d'explorer les liens entre le monde des arts, le monde des sciences. Et puis, on a commencé à construire ce petit collectif en créant un peu des événements petit à petit pour des publics assez variés. Et là, depuis 2 ans, c'est notre activité principale. Et l'idée de Home, c'est d'avoir un peu un aller-retour et créer des synergies entre ces deux mondes qui, on pourrait dire, a priori, tout oppose. C'est justement ce qu'on essaie, de faire la démonstration inverse, en soit utilisant plutôt les arts au sens large du terme, hein, donc ça peut inclure beaucoup de choses, comme un vecteur de sensibilisation aux sciences, parce que les arts ont cette grande vertu d'être... accessible, enfin en tout cas plus accessible que certains domaines scientifiques et plus attractif, ne serait-ce que d'un point de vue sensoriel. Ils doivent faire vivre des expériences. On aime vraiment bien utiliser les arts comme un langage universel pour parler autrement de science et se servir. On avait une petite discussion avant, où est le curseur au final, on pourra peut-être en discuter par la suite, mais aussi dans l'autre sens. Donc c'est utiliser vraiment les sciences et technologies comme des outils de création artistique. Et donc, et pareil, on peut avoir un curseur assez différent, de la pure inspiration sur base de science pour créer quelque chose qui est de l'ordre de l'interprétation artistique, à quelque chose de beaucoup plus intégré, qui a vraiment l'objectif de faire sortir la connaissance des laboratoires et universités pour les rendre accessibles aux citoyens.
Et donc ça, c'est les gros objectifs de Home, du côté plutôt production, production d'exposition, d'installation, de spectacles, etc. Et on a aussi une partie plus lab, qui a plutôt eu un objectif de création en interne, de dispositifs de médiation scientifique et d'œuvres d'art qu'on essaye de diffuser dans différents lieux intéressés. Et la troisième branche, c'est Academia, qui a plutôt l'objectif de questionner un petit peu ces relations entre art et science, mais avec un point de vue plus didactique et pédagogique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi, mais la démarche, votre projet, il s'intègre, je pense, dans le mouvement des méthodes STEAM. Donc STEAM pour Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Et donc c'est un peu se poser la question et de la quantification au final et de l'analyse des bénéfices de ce type d'initiative. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de mettre un peu des protocoles de recherche en place pour essayer d'évaluer l'impact de ces méthodes d'apprentissage-là en les comparant à des méthodes plus traditionnelles. Donc il y a ce volet-là et puis il y a un côté plus je dirais dans une approche presque de praticien-chercheur, parce qu'il n'y a pas encore ni de diplôme, ni vraiment de recherche en art-science. Hein, c'est comme ça que le terme est employé depuis les années 90. Donc il n'y a pas vraiment de recherche dans ce domaine-là, mais on essaie aussi d'avoir une petite pratique de recherche pour essayer d'évaluer un petit peu les bénéfices de ces collaborations entre artistes et chercheurs dans le cadre de nos projets ou d'autres. Voilà, c'est un peu ça qu'on fait. On essaye de faire plein de choses parce que cette fois, il y a un peu tout qui est à faire et donc on essaye d'explorer un petit peu toutes ces voies au sein de Home. Voilà. Et justement, ce rapport entre art et science, quand est-ce que c'est trop artistique ou trop scientifique? Comment vous mettez-vous le curseur par rapport à ça? Bah, je pense qu'on essaye un petit peu tout. Et je crois que ça dépend pas mal de l'humain aussi, et des équipes qu'on arrive à mettre en place, de l'intention de chacun, et aussi du cahier des charges à respecter dans le projet, parce qu'on fonctionne beaucoup par subside et par appel à projet. Donc souvent, il y a des objectifs qui sont clairs. On peut se permettre une certaine liberté dans la création et dans une partie des missions des projets, mais souvent, il y a quand même, par exemple, quand c'est financé par Innoviris, c'est le mot est clair, c'est faire de la sensibilisation aux sciences. Donc, l'objectif est d'utiliser de notre côté des moyens artistiques, mais toujours dans un objectif pédagogique et d'ouverture d'esprit aux sciences. À côté de ça, on a d'autres projets où on va plutôt orienter l'aspect artistique, mais par exemple en essayant d'utiliser des nouvelles technologies. Donc, ça peut être extrêmement variable. Moi, dans l'équipe, je suis peut-être celui qui a le profil un peu plus scientifique, donc moi, je suis plus en charge de tout ce qui est pédagogique. Vraiment, cette idée, comme je disais avant, d'essayer de faire sortir la connaissance des lieux de savoir pour la rendre plus accessible, parce que, in fine, la recherche publique, elle est financée par le public et les utilisateurs finaux de cette recherche. Bah, c'est le citoyen d'une certaine manière, donc on essaye de casser un petit peu les intermédiaires entre cette création de savoir et le citoyen. Et voilà, et on fait ça par plusieurs manières, y compris des expositions, mais aussi parfois des petites conférences, ce genre de choses. Et le curseur, voilà, j'ai pas tout à fait répondu à la question, mais la question du curseur, c'est toujours un petit peu ça, quoi. C'est comment rester rigoureux tout en étant le plus accessible possible, quoi. Et donc ça, je crois que ça demande encore beaucoup de recherches, beaucoup d'essais et le développement, à mon avis, de méthodologies interdisciplinaires efficaces qui n'existent pas encore forcément, en tout cas quand on recherche un peu dans la littérature, il y a un gros mouvement, je dirais, pour l'instant sur ces questions-là, mais il n'y a pas encore de consensus global au niveau de la recherche mondiale, je pense. Je crois que c'est le tout début, donc c'est super. Il y a plein de choses à faire. La chose à inventer. Je crois que le but, c'est probablement aussi un peu pendant longtemps et encore maintenant, la recherche scientifique, c'est plus, les gens la voient un peu comme des scientifiques qui se trouvent dans leur tour Ouais. et à qui on ne parle pas, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est un autre monde. Et voilà, il y a nous et il y a les scientifiques. Et donc, c'est un peu de briser ça, Ouais, tout à de fait. montrer aux gens. Voilà, c'est des gens normaux, c'est ça qu'ils font. Un peu comme aussi Catherine a fait avec Solax, de montrer
Oui, que ça, qui sont pas inaccessibles. Oui, voilà. Ouais, voilà. Surtout la Vincennes de Bagne, de Baille, quand elle est venue, elle a apporté des morceaux de météorites. Donc, c'était la science qui venait à eux. Ils les ont vus, les ont touchés. C'était impactant. Ouais. Hein. Vincennes de Baille, c'est une géologue qui travaille à l'ULB et qui est en charge de la... lors de la mission Persévérance, elle va récupérer les échantillons de poussière de Mars et elle va les analyser avec son équipe. Et donc, on a eu la chance de pouvoir l'interviewer l'année dernière dans le cadre du projet Solax. Et ça a assez impressionné les enfants. Elle est assez médiatique, elle passe à la télé, elle aux infos, on l'a aux infos après, peu de temps après. Donc, c'est une chance qu'ils ont. Mais comment est-ce qu'on mesure l'impact justement de... Parce que là, finalement, chez toi, les élèves, ils font des maths sans s'en rendre compte. Comment comparer avec s'il n'avait pas fait, quoi? Si ça n'avait pas ce contexte de l'art, c'est ça. Ouais. Mais comment savoir? Je ne sais pas, vous avez des pistes chez vous bien... De façon générale, en didactique des disciplines, il y a des méthodologies de recherche qu'on peut exploiter, du plus quantitatif avec des petits tests, des pré- et post-tests, au plus qualitatif avec des interviews, des focus groups et ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ambitionne de faire, mais qu'on ne fait pas encore tout à fait. Donc on essaye d'y réfléchir, parce que c'est vrai qu'on commence à faire beaucoup d'initiatives, mais on n'a pas tout à fait cette capacité ni ce temps pour évaluer l'impact de tout ça. Oui, et donc, quand on fait quelque chose, on est quand même content de savoir si à quel point ça a bien fonctionné ou pas, parce que c'est le meilleur moyen de s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer chez Home Academia bientôt. Ça me donne des idées, parce qu'on pourrait faire ça, un bilan avant et après. Raconte-moi les maths, la première édition, on voulait faire ça, mais par manque de temps, on avait laissé tomber. Oui. On avait dans le projet qu'on avait présenté pour avoir les fonds, on avait mis dedans qu'on allait commencer l'atelier, le tout premier atelier, avant de leur expliquer quoi que ce soit, avec un tour de table où tout le monde devrait dire qu'est-ce que tu en penses des maths? Question toute simple. Genre deux mots, trois mots, qu'est-ce qu'on pense des maths? Et puis on voulait refaire la même question à la toute fin. Juste pour voir, c'était clair qu'avec un atelier, on ne va pas transformer 20 personnes qui disent « je déteste les maths » en 20 personnes qui vont dire « les maths, c'est la meilleure chose au monde ». Oui, c'est ça. Je ne veux plus rien faire d'autre de ma vie. Mais juste, oui, pour voir s'il y avait un mini-shift ou... Pour moi, s'il y a deux élèves qui disent waouh, l'atelier était chouette, ou qui disent que ça les a influencés, moi c'est déjà top, je trouve. Pas non plus avec un atelier, on va pas changer le monde non plus. Mais on peut déjà, comme tu dis, il y en a bien un ou deux qui va accrocher sur. Ils ont quand même, au final, ils ont passé 6 ateliers à se pencher sur les mathématiques. C'est quelque chose de... Même si après, ils disent que ça n'a pas changé leurs opinions, qu'ils continuent à détester les mathématiques, je crois quand même qu'il y a des trucs qui restent. Que si 3 années plus tard, on leur parle de ce sujet, ils vont se dire « Ah ouais, tiens, mais c'est le truc où j'avais tourné un film sur ce sujet. » Après, il y a peut-être mesuré aussi l'impact sur les... c'est quand même l'école, c'est pour avoir des points et puis pour réussir des examens. Peut-être qu'on peut mesurer ça aussi. Les femmes scientifiques, c'est peut-être un peu différent parce que c'est pas vraiment des sciences. Mais sur les maths, manière, peut-être. Tu vois, c'est pas. Je pense que toute la partie où ils vont chercher, tu vois, pour construire l'interview, ils doivent faire des recherches sur la personne, sur la scientifique. Et donc, ils vont chercher quel est son domaine d'activité et de recherche. Et c'est des chercheuses, donc ça vole haut. Donc même moi, parfois, moi je dois vulgariser, et parfois voilà, je prends quand même quelques temps avant de savoir qu'est-ce que je vais leur donner comme mission de recherche pour qu'ils comprennent quand même ce qu'elle fait, parce que c'est des domaines assez... c'est pointu, donc... Mais voilà, alors, ma méthode, c'est que je leur donne des missions. Donc j'arrive avec des mots de vocabulaire, à aller chercher... définition du domaine d'activité de recherche et voilà, et donc on est dans de la vulgarisation assez basique, mais au moins comme ça ils comprennent. Et quand ils essayent d'aller plus loin et qu'ils comprennent pas qu'ils ont des questions, alors je dis ça, c'est des questions qu'on demandera à la personne
après l'interview. Donc l'interview, et vous-même à l'interview, vous pouvez lui dire, moi, je n'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Ou voilà. Donc j'essaie toujours qu'il se raccroche, qu'il part de ce qu'il connaît, qu'il se raccroche et qu'il n'ait pas peur de ne pas savoir, en fait. Parce que c'est comme ça que tu apprends, de toute manière. Donc, Ça, c'est vrai que c'est le... Pardon. Non, je n'ai pas eu de parler. C'est le problème de l'école, c'est ça. On a toujours peur de se tromper. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Toujours peur d'avoir faux. Les élèves, c'est ça. Ils ont peur de se tromper, peur d'avoir une mauvaise note, qu'on ait une mauvaise opinion d'eux. Et c'est ça, il faut qu'ils apprennent à... Après tout, un chercheur, il se trompe. Et c'est en se trompant qu'il... C'est le propre de la méthode aussi. Scientifique, la recherche et ses erreurs. C'était une des questions qu'il m'avait posées dans ce lax. Une des questions, c'était, vous comme mathématicienne, est-ce que vous avez jamais peur de vous tromper dans vos calculs? Ah, c'est chouette ça. Oui, c'était chouette comme question, parce que j'ai dit, si, et on se trompe tout le temps. Dans la recherche, il y a tout le temps des fois, il y a tout le temps des trucs où on croit pendant une semaine que c'est bon, et puis on trouve la petite faute, et bam, tout est pour la poubelle. Et il était, oui, au début, c'était un peu choqué que même la chercheuse fait des fautes. Déjà, même le prof, il soit une faute. Ouais. Et madame, vous êtes plus intelligente que nous. Non, je sais plus de choses parce que je suis plus âgée, mais c'est tout. Donc, il s'imagine que parce qu'on a une blouse blanche ou qu'on est devant, on est plus intelligent. Non, c'est pas vrai. On se trompe aussi. Heureusement. Heureusement qu'on se trompe. On sera encore à l'âge de pierre. Mais c'est vrai que c'est un peu un paradoxe. Je ne veux pas ramener un peu ma science de didactique, mais c'est ce qu'on appelle le paradigme de l'erreur. Donc c'est cette idée que l'erreur, jusqu'à ce qu'on arrive dans... C'est un peu caricaturé, mais jusqu'à ce qu'on arrive dans un cursus scolaire, en fait, l'erreur est source d'amusement et d'envie de mieux faire, jusqu'au moment où arrivent des points. Et en fait, l'erreur devient échec, en fait. Et donc, on associe l'erreur à l'échec. Alors, là, l'erreur, c'est surtout la source de l'apprentissage. Et c'est vrai que ce truc-là, on a du mal d'envisager des pistes d'en sortir de façon efficace quand on voit la manière dont on enseigne sur l'entièreté de la planète. On en parlait aussi, le décalage entre le niveau de recherche en sciences de l'éducation, en pédagogie, etc., de manière générale, et son application dans la réalité. C'est vrai que c'est des délais incroyables, alors que en technologie, en tout cas quand c'est à haut potentiel économique, il faut 3 ans pour que... À la preuve avec le vaccin. C'est vrai que c'est un peu frustrant. C'est frustrant, c'est vrai. Quand on lit la littérature, on se dit, les théories merveilleuses, l'école, la pédagogie active, l'école inversée, tout ça. Après, quand on veut l'appliquer, quand on voit... C'est difficile, la pratique, c'est ça, sacré décalage. Mais il manque un échelon, je trouve, entre la recherche parfois très théorique, surtout en France, la recherche française est quand même toujours très compliquée, et l'enseignant qui doit pratiquer, il manque vraiment un étage. Et puis il y a des petites idées drôles. Moi, j'ai lu un article récemment où il disait aussi, il parlait de ça, de l'erreur. Il disait que, par exemple, c'était un exemple tout bête, en mathématiques, quand un élève il a deux fractions, A sur B et C sur D, il doit les sommer, il doit faire l'addition de A sur B plus C sur D. Il fait juste bêtement l'addition en haut, l'addition en bas. Il dit que égale A plus C sur B plus D. Qu'est-ce que fait un prof normalement? Il engueule l'élève. Il fait « Ah, il ne faut jamais faire ça, on additionne pas comme ça les fractions. » Et là, il disait « Pourquoi on ne prend pas plus la vue de la recherche ?» Et on dit « Ah tiens, intéressant, ceci, on sait que c'est faux, l'élève s'est trompé, mais pourquoi on ne réfléchit pas, quand est-ce que c'est vrai? Comment doivent être A, B, C et D pour que ceci soit vrai? Ou comment est-ce qu'on devrait définir l'addition plus autrement pour que ceci fonctionne? Et comme ça, on entre vraiment, ça c'est vraiment là, ce qui se passe en recherche. On a un truc, on voit, ça ne marche pas, c'est bizarre, et là on se dit, mais... Pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi? Ou comment est-ce qu'on devrait changer les conditions pour que ça marche? En fait, la recherche, ça se passe comme ça. Et aussi, les découvertes scientifiques se sont tous passées comme ça. Ce n'est pas que quelqu'un a été assis à une table et s'est dit « Ouf, c'est faux, j'arrête tout de suite. » Ça ne veut pas dire que toute l'école doit être comme ça, qu'on ne fait qu'encore ça. Mais genre des petites choses comme ça, intégrées de temps en temps dans les cours, ça aiderait déjà.
J'ai une question, mais là en néerlandais. Donc Anne, si tu peux le voir et oui. C'est sur Solax, c'est raconte-moi les maths. Donc à mon avis, tu comprendras mieux que moi. Je la lis ou... Oui, bah, tu peux la lire et voir si tu peux... Je la lis à haute voix. Si tu veux. Op zondag praten we met de makers van de video's raconte-moi les maths en de Solax films. Ah non, ça c'est pas une question. Non, il n'y a pas d'interrogation. Mais je crois que ça, c'est pas juste la description de l'atelier. Mais elle vient d'apparaître. Ici au-dessus. Ah, peut-être. Ah, dans Vreugen. Je ne sais pas. Non, je crois que c'est juste la description, en fait. Ah, d'accord. Bon, bon. Non, non, parce que dans Vreugen, il n'y a rien. Okay. Dans Live Chat, il n'y a rien. Mais ça a popé sur le truc, donc j'ai cru que... Ah, ouais. Non. Bah, peut-être voilà. Quelqu'un Désolé. A mis un truc et puis il a ouais. fait... Pardon, je vous ai interrompu. Pas de souci. Ouais, bon, on va reprendre. Donc, laisser erreur. Ouais. Et ben justement, moi, par rapport à la pratique artistique, il y a aussi ce côté de recherche et de travailler un peu dans l'inconnu et de faire des essais erreurs. Et je me demande aussi toujours comment. Enfin. Je trouve que la recherche scientifique ou la recherche ou la création artistique, ça a quand même un lieu où on peut se rencontrer en fait, dans la manière de la méthodologie ou des choses comme ça, où on teste des choses, on voit si ça fonctionne ou pas, une technique ou un truc comme ça. Et bah, je me demandais, Raoul, par exemple, vous mettez en contact des artistes et des chercheurs dans les laboratoires. Est-ce que ça se passe sous rappel de projet? C'est ponctuel ou est-ce que ça crée des liens par la suite? Comment ça se passe un peu? Ben, c'est extrêmement variable. Ouais. On a de par voilà, nos réseaux et nos précédentes activités, on a accès, on a la chance d'avoir accès à des scientifiques issus de disciplines très variées, et pareil du côté artistique. Et la manière dont ça match elle-même fonctionne elle-même par un peu par essai erreur quoi. On essaie plusieurs combinaisons, on réfléchit, ok, physique fondamentale avec musique, ça peut marcher, on connaît telle personne, on organise des rencontres, on voit un peu comment ça tourne, parfois ça se passe bien, parfois pas. Donc c'est vraiment je discutais avec Denis Terouane ici qui est du Fab Lab, c'est un peu cette grande question du faire équipe quoi, ou faire groupe, comment on crée des équipes qui fonctionnent bien, et des équipes qui sont interdisciplinaires, donc qui parlent la même langue mais pas tout à fait le même langage quoi, on pourrait dire, qui ont un petit peu voilà, des backgrounds tellement différents qu'il est nécessaire de créer d'abord, avant toute chose, un langage commun pour que tout le monde puisse se comprendre. Et puis, une fois que ça c'est fait, en fait, c'est génial parce que tout le monde est tout le monde joue sur le même terrain. Tout le monde se respecte et reconnaît l'expertise de l'autre dans son domaine. Oui, exactement. Et c'est assez génial, quoi. Ça peut créer des discussions incroyables et des projets souvent qui sortent de l'ordinaire, parce que forcément c'est des disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir coexister. Voilà, je ne suis pas objectif du tout, hein, forcément, j'adore, quoi. C'est toujours magnifique. Les projets, quand ils aboutissent, ça donne quoi? C'est des créations, des co-créations, des films, des œuvres d'art ou des conférences? Bah, ça peut être beaucoup de choses. On a des spectacles, des installations. Après, je vais donner quelques exemples. Puis on a des projets plutôt du côté académia où on va plutôt viser non pas un résultat unique, mais plutôt un concept de collaboration interdisciplinaire. Par exemple, on a un projet où on fait collaborer des chercheurs de l'ULB dans plein de disciplines scientifiques différentes avec des graphistes de master à la Cambre. Et l'idée, en fait, le constat, c'était quand j'étais encore chercheur à l'UNIF, c'était quand on va en conférence, voilà, il faut pas, c'est pas, je crois qu'on peut se permettre de le dire, c'est pas méchant, mais quand on va à une conférence, c'est facile de reconnaître que
de manière générale, le chercheur est pas un bon communicant, quoi. Non mais et c'est normal aussi, ça fait pas tout à fait partie de son job, ça fait pas partie non plus forcément de sa formation. Et l'idée, ça a été de les faire travailler, ces chercheurs, avec des gens qui sont en formation justement vers ça, qui vont devenir des communicants et des graphistes professionnels. Et donc c'est un programme comme ça qui dure une moitié d'année, où on les fait collaborer ensemble pour créer des supports de communication à destination du grand public. Donc ça varie un peu chaque année, on essaye, parfois c'est vraiment plutôt un travail à destination de... Enfin, au service plutôt du chercheur pour qu'il utilise justement ses représentations et ce travail de synthèse et de communication efficace dans le cadre de ses propres conférences ou défense de thèse, par exemple. Parfois, c'est plutôt orienté vers des publics plus jeunes et ça donne des posters, des vidéos de vulgarisation, des brochures, des petits bouquins, des livres-jeux. Ça peut donner plein de choses assez intéressantes qui parle de recherche au sens le plus strict du terme, mais de façon super poétique ou très bien illustrée ou extrêmement bien synthétisée. Petite autopromo, on a une expo justement qui montre les 3 années de ces collaborations entre étudiants en communication graphique et visuelle de la Cambre et chercheurs de l'ULB, pour l'instant au Hall Saint-Géry jusqu'au 31 décembre. Voilà, vous pourrez voir des exemples. Et sinon, j'ai déjà parlé beaucoup, mais ça peut être aussi des installations immersives ou interactives. Là, on a quelque chose sur les neurosciences, par exemple, où y a un électroencéphalogramme qui doit être porté par un visiteur. Et en fonction de sa capacité à entrer dans des états de méditation, ça va déclencher des sons et des visuels. Donc là, ça part d'une technologie. Et c'est utilisé comme point d'entrée pour parler de neurosciences, mais c'est au final une interprétation très artistique. Et alors, on a d'autres projets où on a sur scène, là, un spectacle, c'est à 17h. C'est à 17h aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion de le voir. Sur scène, il y a un artiste de musique ambient, Guillaume Schreicher, qui est un post-doctorant du laboratoire de chimie des polymères, qui est derrière son microscope de labo et qui fait en fait de la cristallisation en live, en jouant sur les températures d'un gradient thermique et qui synchronise en fait les effets visuels pris par ce microscope à lumière polarisée, avec le son qui est créé par l'artiste en live. Et donc pareil, ça c'est assez poétique. Et à côté de ça, parfois on fait des expos où là, l'objectif est beaucoup plus... l'expo sur les maths, tu y étais passé. L'objectif est quand même de montrer des belles choses, mais tout en derrière ayant un gros dispositif de médiation scientifique, où l'idée c'est vraiment ça. On arrive quand même en frontal en disant, vous rentrez dans cette expo, on va parler que de maths, et l'idée, c'est qu'à la fois, vous ayez passé un bon moment, que vous ayez vu des belles choses, mais qu'en même temps, vous ayez appris le maximum de trucs, quoi. Donc ça peut changer d'un projet à l'autre. Il y a Afforscience qui fait de la vulgarisation aussi. Oui, tout à fait. Vous travaillez avec ? Oui. Ah ouais. On connaît bien. C'est bien, ça. Ils sont super aussi. Ouais. Il y a un spectacle de chimie aussi. C'est un peu différent. Je crois que c'est au mois de janvier, spectacle de chimie pour c'est montrer que la chimie est très colorée, c'est rigolo. Mais après, il y a le côté pédagogique avec des expériences, enfin le côté rigoureux, quoi. Mm-hmm. Donc, ça, je sais que moi, je m'emmène mes élèves, mais pour leur montrer qu'on peut s'amuser aussi en faisant des sciences. Voilà. Je crois que c'est peut-être le plus important. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut... Et même au-delà des sciences, peut-être. L'apprentissage, c'est source d'amusement et de stimulation, quoi. Et ça, je pense que ça marche pas pour... Enfin, c'est dû notamment à la manière dont on enseigne, etc., je crois. Et surtout, là où peut-être dans vos projets, c'est clairement orienté scolaire. Nous, on a quand même une grosse partie de nos activités qui est plutôt orientée grand public, on va dire 15 et plus, quoi. Et là, un des grands messages, c'est de dire que l'apprentissage, il ne s'arrête pas non plus quand on quitte l'école, quoi. Bien sûr. Ça commence dès qu'on commence à marcher, à parler. Oui, ça ne s'arrête jamais, normalement. Et c'est ça. Ouais. Un élève, quand on lui dit, mais finalement, qu'est-ce que tu sais faire ? Tu sais marcher, tu sais parler. Souvent, il parle plusieurs langues étrangères, hein, forcément à la maison. Tu sais tout ça, tu dois savoir après apprendre des maths, puisque tu connais, tu sais comment apprendre. C'est ça, on fait la part des choses entre tout ce qu'on apprend à la maison et puis tout ce qu'on apprend à l'école. Alors,
Tout est imbriqué, c'est une suite. On s'ouvre, on doit être curieux, on doit s'émerveiller. Puis on apprend tout le temps, ben oui, même après en sortant de l'école. Avant, après, pendant, en même temps. Ouais. Ouais. Je crois que l'Home, les initiatives de Home sont vraiment chouettes aussi parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un gros problème avec les sciences. Pour les gens, dans leur tête, les sciences, c'est vraiment un truc. Soit je suis scientifique et j'aime les sciences, et alors oui, je vais aller au Science Center et au Technopolis et ce genre de trucs. Soit je ne suis pas scientifique, et alors tout ça, ce n'est pas pour moi. Mais avec la littérature, les gens ne font pas ça. Moi, je suis scientifique, mais ce n'est pas pour ça que je dis « Ah ben, moi, je suis scientifique, donc je ne lis pas de livres. » Parce que c'est de la littérature, et moi, je suis du côté scientifique. Tu ne fais pas de films. Ou avec l'art, ou des films, oui. Ce n'est pas « Ah ben, moi, je ne suis pas dans l'audiovisuel, du coup, je ne vais pas au cinéma. » Ou l'art, il y a une exposition, plein de gens vont dans une exposition alors qu'en soi, ils ont leurs études, leur boulot, ça n'a rien à voir avec l'art. Mais ils se considèrent, pourquoi pas, aller voir une exposition. Et la science, c'est beaucoup plus dans un domaine, oui, il y a, je sais pas, il y a cette exposition scientifique, alors les gens sont là, ah bah oui, toi t'aimes bien la science, vas-y. Moi, je vais faire autre chose pendant ce temps-là parce que science, c'est pas pour moi. Et ça, c'est bizarre. Pourquoi on ne peut pas la mettre sur le même? Ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir scientifiques. La même chose avec les ateliers et avec les élèves. On doit pas, tout le monde ne doit pas devenir scientifique demain. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse passer un bon moment ou qu'on puisse s'amuser. Genre, moi, je ne suis pas devenue littéraire non plus, mais il y a quand même des livres que j'ai lus à l'école dont je me rappelle et qui m'ont impressionnée. Parce que je crois que, je ne sais pas, dans les cours des langues, on arrive mieux à voir le truc que tous les élèves sont là. Ah ouais, c'est chouette, on va lire un livre, ça peut être chouette pour tout le monde. Alors que dans les cours de sciences, c'est la moitié, de toute façon, c'est le cours de sciences que je dois faire, mais ça ne va jamais être pour moi. De toute façon, il n'y aura aucune activité chouette. Et les adultes, c'est la même chose. C'est parce que je crois que l'école, c'est trop... Souvent, les élèves me disent, on fait des graphiques, on fait des choses, on utilise des outils mathématiques. Mais madame, c'est des maths. Mais oui, mais les maths, c'est un outil pour les sciences. Tout fonctionne ensemble, quoi. C'est ça, ils ont du mal... L'école est trop, comment on dit, segmentée, voilà, des catégories. On fait soit du français, comme tu dis, hein, soit de l'art, soit des sciences, soit des maths. Mais non, tout, dans la vie, tout est mélangé. C'est fort par silo, quoi. Nous, chez Home, ce qu'on aime bien comme petite tagline, même si elle est un petit peu pompeuse, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de... Enfin, on attribue souvent cette phrase à Newton, d'ailleurs, mais je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Déconstruire les murs et les remplacer par des ponts, quoi. Alors, aussi bien entre les gens, entre les disciplines, et on parlait, c'est la thématique ici, le fait que créativité, par exemple, c'est quelque chose qui est fort associé au monde des arts, quoi. Que rigueur ou analyse, par exemple, capacité d'analyse, c'est les sciences. Or, les sciences sans créativité, il n'y a jamais d'évolution. C'est ça qu'on demande à la recherche, mais c'est ça qu'on demande à tout le monde. C'est être créatif pour penser de nouvelles questions, répondre à des questions qu'on se posait. Et de l'autre côté, inversement, un artiste qui n'a aucune capacité d'analyse, il va jamais pouvoir arriver à créer une expérience qui va toucher un public. Donc, plus de porosité, en tout cas, entre les disciplines. Plus, et à nouveau, ça veut pas dire que maintenant il faut commencer à tout mixer dans tous les sens. Je crois qu'il faut des personnes extrêmement spécialisées dans des domaines scientifiques ou artistiques, dans des domaines de niche. Mais à côté de ça, peut-être ce qu'on manque, c'est des gens qui sont plutôt un profil plus transversal, qui sont capables de faire ces liens entre différentes expertises. Et d'ailleurs, pour avoir étudié un petit peu l'épistémologie des sciences et la manière dont les révolutions scientifiques apparaissent, souvent on remarque que c'est exactement cette combinaison-là qui est la gagnante, quoi. C'est deux experts qui ont été loin dans leur discipline. Il y en a un autre qui passe par là, qui essaie un peu de comprendre ce qui se passe ici, qui comprend ce qui se passe là, et qui se dit, il te manque ça, et puis il met les deux ensemble, et ça crée, la révolution. Donc souvent, c'est un croisement entre expertise et hyper spécialisation et transdisciplinarité, et je crois que c'est ça, c'est ça qu'on essaie de c'est ça qu'on fait tous un petit peu ici aussi, quoi. C'est essayer de créer plus de liens entre disciplines et entre personnes qui ne se côtoient pas beaucoup au final. Par
Par exemple, après, ça peut être dans la même personne. Vinciane de Bâle, elle est un peu comme ça. Elle a son côté scientifique de recherche, et puis elle était épatante avec les gamins. Elle est très pédagogue. Très pédagogue. Et... Anne, toi aussi, tu les as saisis aussi. Et c'est ça, toutes les chercheuses qui sont venues un petit peu promouvoir leur domaine, un petit peu auprès des élèves, ils avaient ce côté-là, scientifique, voilà, leur recherche dans leur secteur. Mais après aussi, une ouverture au savoir en parler, savoir faire envie. Et... Je crois aussi que beaucoup de chercheurs, ils aiment, comme on met les chercheurs souvent dans sa tour à part, ils sont contents quand quelqu'un s'intéresse à leur travail. Oui, aussi, c'est vrai. On dit aussi souvent, c'est aussi un autre, quand des élèves t'interviewent, c'est autre chose que se mettre devant 200 personnes et faire un exposé de 1 heure. Donc, ça se peut très bien qu'un chercheur, même s'il n'est pas très bien orateur, dans une conversation avec 6 élèves, ça se passe très bien. C'est vrai. Oui, puis je pense aussi, enfin, moi, quand j'ai créé l'atelier, je me disais qu'on aurait du mal à trouver des femmes scientifiques disponibles en heure scolaire pour venir parler pendant 2 heures de leur travail interviewé par des élèves. Et en même temps, j'ai jamais eu de problème. En fait, c'est ça qui m'a. La chose qui m'a le plus attirée, c'est que j'ai jamais eu de problème à trouver des femmes dans mes invitations pour venir participer. J'ai même trop de femmes qui répondent oui, donc je suis obligée de choisir en fait. Et donc c'est ça montre ça vraiment. Cette année. J'en ai déjà bien. Enfin, il faut que j'appelle, mais j'en ai déjà trouvé une, je pense. Ah ouais, chouette. Ouais. Et donc, c'est. Ça révèle vraiment d'une volonté aussi de venir parler de sa recherche et. De vouloir la transmettre, la vulgariser. Et je trouve ça super intéressant. C'est une promotion, je crois. Mmh. Il manque de scientifiques partout. Donc, les filles. On est contents. Aussi demain, ça manque juste de scientifiques. Donc, je crois que tous les scientifiques sont contents aussi de faire la promotion de science, en espérant de motiver un peu plus de jeunes pour les sciences. Je suis en train de me demander, en tant que chercheuse, par exemple, quand tu viens, les élèves te posent des questions, est-ce que ça ne te fait pas réfléchir aussi sur... ils peuvent naïvement poser une question qui te fait réfléchir. Si, toujours. Donc, moi, je fais beaucoup... je fais toujours beaucoup de outreach, donc beaucoup d'activités, des ateliers, des exposés grand public, tous ces trucs. Et on croit... bêtement que oui, comme moi je fais de la recherche ici, quand je vulgarise ça pour des élèves, pour le grand public, paf, c'est facile. Mais pas du tout, parce que quand on essaye de simplifier des choses, on se pose des questions parce qu'on se dit, on simplifie, on dit, ok, c'est des élèves de 13 ans, donc qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent ça, je vais simplifier à ça. Puis je dis, mais est-ce que ça c'est correct en fait? Et là, on recommence dans sa propre recherche, à rechercher des choses pour être sûr que si on simplifie à ce niveau-là, ça reste encore la même chose. Et donc à chaque fois, on se retrouve dans sa propre recherche à revérifier des choses pour être sûr qu'on simplifie correctement. Oui, donc ça. Et même les questions, les questions que les gens posent. Et souvent, on est là et on se dit, ah tiens, oui. À un moment, je dois réfléchir, je suis pas sûre. Et je crois que c'est positif aussi de montrer que c'est pas parce qu'aussi. Les jeunes, comme tu as déjà dit, les jeunes, ils ont une image des sciences. C'est le prof de sciences qui sait tout. Il met un truc au tableau, il énonce un exercice, il connaît la solution. Et donc, pour eux, c'est quand il y a un problème de science, soit on connaît la solution, soit on ne la connaît pas et on ne la trouvera jamais. Mais ce n'est pas vrai. Il faut réfléchir. Et je crois que ça fait du bien aussi parfois de voir quelqu'un qui dit « Ah, à un moment, laisse-moi réfléchir. » Non, je crois que ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. » Pour voir que c'est tout un processus de trouver une solution. On peut douter, que le prof aussi peut douter, quoi, ou le chercheur peut douter. Et la solution, c'est pas un truc qui vient comme ça. Pour réfléchir, il faut essayer, il faut se tromper. Et ça me fait penser justement. Souvent, c'est en maths, hein, en sciences aussi, ça peut pas en physique, par exemple. L'élève, il fait un raisonnement, mais non, c'est barré parce que c'est pas comme le prof a dit. Il trouve la bonne réponse peut-être, mais comme il a utilisé un autre,
Et ça arrivait, moi, ça m'arrivait quand j'étais élève. Hein. C'est frustrant parce que ce gosse, il a une autre façon de penser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'espère à penser que ça arrive de moins en moins. J'espère aussi, mais non, je crois que ça arrive encore. Je crois que ça arrive. Peut-être que ça dépend un petit peu de quel cursus on parle. Enfin, j'ose espérer que, par exemple, à l'UNIF, c'est moins le cas que... Mais même j'ose espérer qu'à l'école secondaire, on fait plus ça. Mais... Parce que je pense que quand on enseigne, l'important, c'est de... Ouvrir, quoi. Ouais, savoir où on va et puis faire passer un étudiant d'un point A à un point B. Sauf qu'il y a autant de points A que d'étudiants. Et ils peuvent emprunter des chemins très différents les uns par rapport aux autres. Et je crois que l'enseignant qui maîtrise vraiment bien, c'est qu'il connaît tous ces liens qui existent dans tous les points A et ce point B où il veut aller. Oui, quand moi j'enseigne à l'université, ça m'arrive souvent qu'il y a un exercice, moi j'ai une solution en tête, et puis il y a un ou deux étudiants qui me donnent une solution complètement différente. À laquelle tu n'avais pas pensé? Non, pas du tout. Ah. Et là, souvent, je suis là, ben voilà, ça c'était ma solution, et maintenant je demande à machin de venir au tableau, parce qu'il a trouvé une solution merveilleuse à laquelle je n'avais même pas pensé. Parce qu'aussi, c'est important de dire, oui, il n'y a pas une solution. C'est des trucs complexes, donc on peut y arriver par différents chemins. Surtout que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain, en plus en science, enfin, dans tous les domaines. Ouais, c'est vrai. J'ai une question, une vraie question en français. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui art et science sont considérés comme antinomiques, alors qu'à une période, ces deux disciplines en formaient une? Je suppose qu'elle fait référence à Leonardo da Vinci ou quelque chose comme ça. Oui, bah, il y a eu plusieurs... Enfin, je voulais... Si tu veux commencer. Alors, je suis pas historien, mais j'ai quand même pas mal cherché, parce que c'est une question que je me suis posée un peu dans tous les sens pendant longtemps. Et il s'avère qu'il y a quand même un petit peu de recherche dans le domaine. Donc, le terme art science, il a été sorti la première fois en 1990 par un gars qui s'intéresse justement à la créativité, aussi bien dans les arts que dans les sciences. Et voilà, il n'est pas tout seul, mais il y a quand même un gros pôle de chercheurs qui sont surtout issus. Enfin, il y a des historiens des sciences, et puis il y a beaucoup d'épistémologues et de philosophes des sciences qui s'intéressent à ces questions-là. Et ils font effectivement le constat que, à l'Antiquité, par exemple, la musique était une des branches des mathématiques, enfin des maths et sciences. C'était le quadrivium. Donc, il y avait le trivium, c'était l'ensemble des disciplines plutôt littéraires, on va dire. Et puis il y avait le quadrivium qui était plutôt celui des mathématiques. Et donc là-dedans, il y avait le nombre dans l'espace, c'était la géométrie. Le nombre abstrait, c'était l'arithmétique. Alors il y avait le nombre dans l'espace et dans le temps, ça c'était l'astronomie. Et alors il y avait le nombre dans le temps, ça c'était la musique en fait. Et donc ça montre bien une intégration passée quand même de ces disciplines. Et ça a quand même duré, enfin ça fait un peu comme ça dans l'histoire. À la Renaissance, forcément, c'est revenu en force avec des personnalités comme Da Vinci. Qui étaient des polymathes. Donc la polymathie, c'est la capacité d'avoir intégré beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines différents, y compris dans les arts et les sciences. Et puis de ces recherches-là, on peut lire quand même qu'à partir de la révolution industrielle, on a commencé à vouloir produire de plus en plus, et ça nous a amené dans une ère d'hyperspécialisation. Donc où chacun commençait à avoir dans la chaîne de production, on va dire, des connaissances ou des produits, quoi, commençait à avoir son rôle bien défini. C'est le saucissonnement des tâches, d'une certaine manière, qui a permis une efficacité et des rendements économiques qu'on n'avait pas jusque-là, et qui a amené quand même la société à de plus en plus se spécialiser et peut-être à se distancier. En tout cas, ça a éloigné les disciplines. Et donc, je pense que c'est un peu cyclique, que peut-être là, on est au début. Je ne veux pas commencer à sortir des grandes prédictions, mais peut-être que là, en fait, on commence à se rendre compte que face aux enjeux de société qu'il y a à l'heure actuelle, qui nécessitent
profondément, je pense, des approches interdisciplinaires, parce que je ne pense pas qu'on réglera, par exemple, le problème du climat uniquement avec les climatologues. Ça va être quelque chose qui va considérer plein de disciplines, qu'on va devoir de plus en plus intégrer les approches, les méthodologies, les disciplines, qu'elles soient scientifiques ou pas, d'ailleurs, parce que, comme on parlait, peut-être les arts et le design, c'est un bon moyen d'impliquer plus le citoyen dans ces questions scientifiques. Et voilà, c'est un peu ça ma réponse. Alors je ne sais pas si c'est une raison, il y en a sans doute plein, enfin oui, c'est une raison parmi d'autres, mais je pense quand même que la recherche de rendement économique est une des causes de cette séparation de plus en plus forte des disciplines, alors que à nouveau dans la recherche en arts sciences, il y a pas mal de gens qui commencent à démontrer l'importance de la créativité des deux côtés, les similitudes dans les méthodologies de travail des chercheurs et des artistes, le fait que par exemple un artiste à une région, quand il est face à une pièce d'art qu'il apprécie, va avoir une région du cerveau qui est excitée de la même manière qu'un scientifique ou un mathématicien va être excité par une équation qu'il trouve élégante. Il y a aussi Ruth Bernstein qui est un auteur qui se pose beaucoup de questions, qui a un côté très scientifique, mais par exemple qui a cherché un peu à se poser la question, tiens, qu'est-ce qui fait que certains scientifiques ont des prix Nobel et pas d'autres, quoi. Bon, et hormis le travail, etc., il a remarqué que c'était parce que c'est extrêmement souvent, donc dans la grande majorité des cas, des gens qui ont aussi une pratique assez aiguë de artistique, quoi, que ce soit de la musique, de la peinture, etc. Donc on prend tous les prix Nobel depuis 1900, je crois, c'est ça qu'il a fait. Il y a qui faisait super bien de la musique, qui était fan d'art, etc. Et il s'est rendu compte qu'il y a un énorme pourcentage qui sont des bons chercheurs parce qu'ils stimulent leur créativité par d'autres moyens, etc. Donc il y a quand même... Il y a une effervescence là maintenant sur les 10-15 dernières années avec pas mal de papiers qui sortent sur ces questions-là et c'est fascinant, quoi, quand même. J'ai un exemple concret là. Il y a deux ans, je crois, on avait fait une animation, c'est côté plaisir, c'est pour ça que ça m'a... Mm-hmm. Une animation en classe sur... c'est CDJ qui était venu, c'était une animation sur le plaisir, c'est avec des deuxièmes. Et alors chacun devait dire ce que ça lui évoquait. Et puis, il y en a un qui a mis les équations, résoudre une équation mathématique. Ah. Voilà. Ouais. Des gamins de deuxième, donc 14, 15 ans. Quoi. Mm-hmm. C'est vraiment ça. C'est... Ouais. Après, chacun sa définition du plaisir. Mais voilà, c'est amusant. Ouais. Il y a aussi pour le moment un shift, je crois, avec toutes les nouvelles technologies. Il y a à nouveau un shift vers... les musiciens, les artistes d'aujourd'hui, ils ont besoin d'un minimum de connaissances technologiques pour survivre dans ce monde, je crois. Donc on ne peut plus vraiment être comme, je ne sais pas, peut-être il y a 50, il y a 100 ans, où on disait, moi c'est le côté artistique, moi les sciences, la technologie, loin de moi, je ne veux rien savoir. Je crois, toi tu es mieux positionné que moi pour le savoir, mais je suppose qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, je crois que l'histoire des arts et l'histoire, ça serait incroyable comme question à traiter. C'est un peu comparer l'histoire des technologies et l'histoire de l'art, quoi, et voir un peu. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais moi j'ai jamais pris le temps de lire ça. Et je crois que ça s'est toujours autant entretenu, quoi. Ouais. La découverte du pinceau, par exemple, ça a été, à mon avis, peut-être un peu une innovation technologique qui a permis de créer la peinture, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies avancent à une vitesse dingue, ouais. et je pense que pour être un artiste, dans l'air du temps en tout cas, qui traite ces questions-là et qui a envie d'être un peu, c'est ce qu'on voit dans les arts numériques ou les arts cinétiques, etc. Il faut avoir être énormément curieux, prendre beaucoup de temps à apprendre, et puis et sans doute de plus en plus s'entourer de personnes qui ont les connaissances, quoi. Donc, nous, c'est beaucoup ce qu'on essaie de faire. Il y a des artistes qui viennent, qui nous disent, voilà, moi, j'ai ça comme idée, mais il me faudrait l'expertise dans ce domaine-là, dans celui-là, parce que je ne vais pas le faire tout seul, ça va me prendre 20 ans. Alors, donc créer une équipe de gens intéressés par le projet, et c'est vrai que ça peut créer des choses super, super chouettes, quoi. Ouais.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou je conclue? Il n'y a pas d'autres questions en ligne, donc ouais. En fait, bah, si vous n'avez pas envie de rajouter quelque chose, on peut terminer là. Donc moi, je conclurai surtout que c'est pour moi c'est assez important de combiner les deux parce que. Enfin, en tout cas, la rencontre entre art et science permet justement de débloquer de la créativité et que ces deux domaines en ont besoin de toute manière et ça se nourrit. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille encore et que, voilà. Mmh. Ouais. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Voilà. Merci.